Eliezer, j'ai 7 ans dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi, pour nous présenter toute information qui domine l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sous terre. Rapidement, mes grands points qui dominent l'actualité. Reine pays Espagne, la Majesté Laetitia Ortiz, mettez bout à hier mercredi, nous avons visé 2 jours de temps fait par bon site. Avant ça, Reine lui-même est arrivé visiter ensemble avec la première dame République d'Haïti, Martine Moïse, diverses institutions, tant que Santa Saint-Vincent de Paulio dans Cité Soleil, Musée Panthéon National Haïtien. Président républicain Jovenel Moïse, qui était avec les premières dames, le premier ministre Jacques Lafontaine, te recevra Renan dans le Palais National. Ministre Affaires sociales et travail Stéphanie Auguste présenté hier mercredi système information ministère Affaires sociales et travail Zotisa qui pote nom CIMAS pral permettre l'état haïtien ensemble avec partenaire gagner information sur quantité moun qui plus dans situation difficile dans pays. Ministre Kilti à communication Guilherme Sirius Delva condamné Zaka brigandage employé factory yo fait mardi 22 mai passé dans cadre manifestation yoté organisé dans la rue Port-au-Prince. Ministre rappelé c'est dans dialogue tout dossier a réglé pendant annoncé yon ensemble mezi accompagnement en faveur employé qui dans factory yo. Et puis à l'étranger, pour pipiti, 2 moun mouri ak 18 l'autre sorti blessé dans un accident yon train dans nord pays Italie. C'est pour ça que quelques autres n'a développé pour dans journal là cependant n'a pas pose pas déplacer n'a tourné. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour nous capapoter tout élément d'information pour vous. Reine en pays Espagne, Laetitia Ortiz, accompagnée à la première dame République d'Haïti, Martina Moïse, visite mercredi 23 mai diverses institutions dans le pays d'Haïti, tant que Saint-Vincent-Paul, Kishita, dans la commune Cité Soleil, Musée Panthéon National Haïtien, Mupana, Sopasso, au niveau de Chanmas. Visite Reine Espala, Boutana, Lycée Alexandre Petio Soubele, côté li rencontre divers responsables, professeurs et élèves dans lycée Sila. En nous suivant compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Evan Joseph. C'est une ambiance qui est content. Responsable Centre Saint-Vincent de Paul dans Cité Soleil, recevoir Reine Pays Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz, à Première Dame République Lamartine Moïse, mercredi 23 mai. Champoir et Magdans, c'est parmi diverses performances élèves l'école Saint-Louis de Marie-Lacqueur offrit dans l'occasion pour dire Reine Espagne à Première Dame, non, bienvenue. Activité ça te occasion tout pour Reine Espagne la première dame république la ak ministre intérieur ak collectivité territoriale la rencontre responsable centre lan professeur élève garde travail religieux a fait dans centre lan dans domaine éducation ak santé responsable centre Saint-Vincent Paul de Cité Soleil yo offre divers cadeaux ba première dame nan Martine Moïse et puis Reine Espagne la Sa Majesté Laetitia Ortiz comme symbole fraternité amitié solidarité en deux pays yo. Tout de suite après Saint-Lan, président République la Jovenel Moïse, à première dame nan Martine Moïse, accompagné premier ministre lan Jacques Lafontaine, recevoir Reine Espagne dans le Palais National. Musée Panthéon National Haïtien, c'est 3e espace Reine Espagne accompagné première dame République la visité côté li rencontre femmes qui représentaient divers secteurs dans pays a parmi yo ministre conditions femmes ak droits femmes nan Eunide Innocent, directrice générale Mupana Michel Frisch, directrice générale Institut bien-être social la recherche la Ariel Gentilville Douin. Série visite Reine Pays Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz, bout dans lycée Alexandre Pétion. Côté Reine Espagne, rencontré professeur qui bénéficiait projet coopération espagnole à divers élèves lycéens qui profitaient de l'occasion pour montrer la nécessité pour renforcer l'apprentissage de la langue espagnole dans le pays et puis remettre un portrait d'un élève de l'école la fait.
n'a précisé Rena Espaila li quitté pays a hier mercredi dans cadre visite deux jours ça li ta fête pa bo ici ta président république la Jovenel Moïse visité travail qu'a fait dans rivière Moumansa dans commune Léogana week-end passé. Chef l'État renouvelé volonté li pour li capable tirer toute rivière qui konn a bay problème dans pays a si tout la pluie a tombé côté de l'eau capable descendre travail ça wa fait dans cadre caravane en changement. Anne Marguerite Auguste et Michel Joseph a présenté nos reportages. Visite ça permet président République Lan Jovenel Moïse constater à Dejil état d'avancement travail. C'est 10 km curage qu'a gain pour fête dans rivière Moumans, sorti juste dans monde côté tête rivière Ayé pour al bout juste dans bouche la mer. Chef l'État dit li conscient de dégâts rivière qui konn bay problème yo sou bien paysan yo. Nan sans ça, li di li tan décrit tout monde qui en bas menace rivière sa yo. Li invite yo rete calme, y a travail pour curer rivière yo yon après l'autre. Côté gen 10 km de curage qui vous fait sur rivière ça. Cap sorti depuis côté rivière sorti dans deux monde yo pour arriver juste dans la mer. Nous a travail pour que nous curer tout rivière qui konn bay problème dans pays. Rivière moment c'est on nan yo qui konn bay en pile problème, là gen inondation. Moun yo qui a vivent dans zone bord ici là l'eau prend affaire yo l'eau prend jardin yo maintenant n'a travail pour mettre l'eau dans rôle pour que rivière suspende faire dégâts dans pays. Moi dit tout le monde garder calme yo nous connaît travail yo pas qu'à faire un seul coup mais nous déraper parce que j'en nous entendre grand pile monde qui a parlé mais ça qui est important nous déraper tout travail yo et nous ben nous garantir pendant mandat que nous ben moyen toute rivière qui connaît pas problème dans pays là n'a curé. Député Léogane, Jean Wilson Hippolyte salue engagement chef l'État pour curer rivière Moumans dans Léogane, qui te compte toujours mettre de l'eau dans la population léoganaise là. Les quoi initiative ça, c'est récompense moun Léogane commencer à bénéficier dans place vote yoa. Parlementaire a annoncé gain passerelle cap créé sous rivière pour faciliter va-et-vient population même si rivière ta descendre. Président déterminé pour le bon service dans commune Léogane. Il est terminé pour la population en service. N'a pas demandé population léoganaise pour le tête frette pour le temps de service arrivé sous lui. Nous avons un gros travail qui commence. Les travaux de construction de la route de Dorbonne. Bientôt les travaux de construction de l'avenue coloniale. Oui, ça ira. Et d'autres chantiers encore pour l'ouvrir dans la commune. Nous demandons des populations pour attendre nous. Rester pour te coller avec nous. Rester soudé avec nous. Pas attendre ça. Et l'autre mon abdi, qui peut être dans l'opposition stérile, dans l'opposition négative, pour être attaché avec nous, c'est pour ça qu'on a voté. C'est pour que vote, y a été bon nous, à tous les niveaux, députés, Kazek, Azek, délégués de ville, sénateurs, présidents, c'est pour que nous puissions tourner votre ça sous forme de service bayo. Curage Rivière Sayo fait partie promesse électorale président République face à dégâts Rivière Sayo te kon fait dans le pays. A. Travail qu'a fait yo pral permettre Rivière yo tourner dans cabane yo, ça cap empêcher moun victime dans époque la pluie ak cyclone. N'a pas traîné dans dossier université puisque rectorat Université l'État d'Haïti organisé mardi 22 mai passé à yon cérémonie hommage pour professeur, membre personnel retraité et étudiant dans l'Université l'État d'Haïti. Objectif de la cérémonie, ça, c'est pour capable arriver à honorer 13 professeurs et membres personnels et puis 3 étudiants pour travail réalisé dans l'UEH. Roosevelt Desrosiers et Jean Fleury a présenté nos reportages. Cérémonie hommage ça a été occasion si tout pour rectorat Université de l'État d'Haïti remettre plaque honneur et mérite par 12 professeurs et membres personnels retraités qui passaient en 30 à 47 l'année dans le service Université de l'État d'Haïti. Professeur Alex René recevra cadeau pour prix 2017 Société haïtienne Histoire, Géographie et Géologie. Étudiant Jean-Ederson Jean-Pierre et James Plaisimont jouent cadeau pour prix concours rédaction scientifique ministère éducation nationale et formation professionnelle. Étudiant Danoval Charles recevra cadeau pour prix concours plaidoirie sous droit moun, bureau droit moun en Haïti. Personnalité spéciale cérémonie au Maïssa, c'est ancien recteur UEH là, Jean-Vernet Henry. C'était avec engouement recteur actuel là, Fritz Deshommes, présentait plus passé une dizaine de travail
ancien recteur a été réalisé dans l'UEH là. C'est sous mandat de Jean-Bernard Henry que la notion de laboratoire de recherche vient brancher. Et très rapidement, nous avons gagné le premier laboratoire de recherche dans tout le pays qui est habilité à recevoir des doctorants. C'est sous mandat de Jean-Bernard Henry que les éditions de l'UEH créent. Et tout le monde connaît fonction d'une maison dans une université pour la recherche, pour l'enseignement, pour les services à la communauté. C'est sous Jean-Bernard Henry que l'université a commencé à mettre base pour le fonctionnement des enseignants-chercheurs à travers l'augmentation du nombre de professeurs à plein temps et à travers tout, début de réglementation. C'est sous Jean-Bernard Henry que l'université a créé ses premières revues. Pas, je ne veux pas dire que c'est la première fois que l'université a créé une revue, et puis une autre revue, mais une revue de l'université. Et c'était un grand rêve, Jean-Bernard Henry, pour que l'université d'État gagne deux grandes revues. On revue des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, qui c'est Chantier, la revue Chantier, et on revue en sciences pures et appliquées, qui c'est RED. Ancien recteur UEH là, Jean-Vernet Henry, pas de cacher sentiment qu'a traversé l'île dans l'occasion. Il exprime sa satisfaction pour quel programme il était réalisé dans UEH là, l'IOE qui toujours a marché. Je vous remercie. Ouais. Université a du fait que, bon, il y a un ensemble de bagailles que je fais, mais que je contribue là-dedans, pas que moi, mais fait que je m'excuse, je contribue là-dedans, ou mener yo, et moi, il y a marché, il y a une reconnaissance, bon, ça va être une satisfaction. Moi-même, moi, je suis un monde qui débutait dans l'université A, je passe tout étape, je passe moniteur, assistant professeur. Professeur, moi je suis assistant directeur de département, vice-doyen, etc. Jusqu'à ce que je me fasse tout échelon dans l'université. Et bon bagaille, mon ami Fritz dit tout, enfin le recteur, j'ai toujours choisi de travailler à l'université d'État. Cérémonie hommage pour professeur Armand personnel retraité et puis étudiant dans l'université d'État d'Haïti. Déroulé dans la présence plusieurs doyens, professeurs et étudiants dans l'UEH là. En même temps, quelques membres de famille et amis qui t'ont accompagné Mounio honoré. Nous te disons dans le grand titre, ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme et Delva, condamné Zaka brigandage, employé factory au fait, mardi 22 mai passé, dans le cadre d'une manifestation qui a été organisée dans la rue Port-au-Prince. Ministre Guilherme et Delva, coincé dans le dialogue, tout dossier a réglé pendant lui annoncé un ensemble de mesures d'accompagnement en faveur employés qui a travaillé dans la factory. Yon extrait dans micro Richardson en Joudan avec Laurent Dali Jean-Jacques. Dans Sonapi, un parc industriel là, côté gagné des actes de brigandage qui fait que nous condamnés, parce que si gagné des mouns qui voulaient manifester ou bien syndicat qui dit a réclamé droit yo, gonjan vous fait ça, ou pas gagné droit pour craser briser. En dedans, son appui a même gagné des actes de violence qui gagnent vite écrasé, gagné des actes de brigandage qui fait que nous n'avons pas pensé que des mondes qui disent c'est syndicat ou bien c'est des ouvriers pour entrer dans le même lieu que tu travailles là pour faire des dégâts. Et ça a effrayé. Investisseurs qui voulaient venir investir dans le pays et particulièrement dans le secteur ça. Il y a des revendications qu'il a fait passer, mais nous dit que ce n'est pas la violence pour le fait. Et il y a une procédure qui est en place pour arriver à fixer un salaire minimum. Ce n'est pas le gouvernement qui est pour le faire, c'est le conseil supérieur des salaires qui est pour le faire et qui est là dans le patron, qui est là dans le syndicat et tout. Et donc, avec le gouvernement, donc nous devons attirer l'attention sur ça. Et dans le cadre de mesures sociales, tout,
que le gouvernement apprend pour adresser des problèmes que les gens qui sont bas a subi, et même des chauffeurs, parce que les chauffeurs tout, il y a une population, il y a gagné problème partout, et bien, au Fatma, bon programme que au Fatma a mis en place là, pendant la parler là, avec le gouvernement haïtien, pour bailler assurance à 500 chauffeurs. 500 chauffeurs pour être capable de bénéficier de assurance leur malade pour être capable d'aller à l'hôpital. Tout ça, c'est des efforts que le gouvernement a fait. Par exemple, dans le parc industriel là tout, au Fatma, déployer des équipes calées sur place. A aidé à collecter informations, collecter données pour bailler les cartes de santé. C'est des bagages qui ont fait qui en cours pendant que nous avons parlé là. Donc, un peu d'investissement que le gouvernement compte faire et il commence à faire, qu'il compte renforcer dans la question sociale, qui fait que des mesures qu'il peut prendre pour l'État capable de booster l'économie avec, par exemple, taxes pour le collecter. Recettes pour le collecter, donc population en même temps est capable de joindre un soulagement avec investissement ça a fait sur le plan social. Et nous te disons tout dans grand titre, ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, présenté mercredi 23 mai 2018, là, système information ministère Affaires sociales et travail. Outils information ça qui pote non CIMAS pour permettre l'État haïtien nan tête collé ak partenaires yo gagner information sur quantité moun nan k'ap viv nan situation difficile nan pays a. Travail pour mettre campé système si la rive joine nan support financier USAID ak Union européenne. An nou suivi un reportage ak Jonebi Cassius et puis avec Joseph. Système information ministère affaires sociales et travail là CIMAST c'est un outil informatique qui gagne la donne une série d'informations sur situation sociale et alimentaire moun ki pi pov nan peyi a d'après ministre affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste. Selon ministre là information ça yo doué permettre l'état haïtien pi bien coordonner assistance y a bay population. Après 4 ans de coopération de support technique de l'Union européenne de PAM de l'USAID côté kounia là nous officiellement nous sorti ces concours un petit monde qui t'a qui était en conception jodi a li accoucher li fait nous montrer qui ça système nan yé et li le li temps pour Haïti gagner un registre unique côté c'est lui même qui dé qui kembe toute information et non comme international nan comprendre c'est pas yo qui pour gagner information mais c'est nous même qui pour gagner que yo même yo ka vinn approprié de li. Ambassadeur États-Unis en Haïti Michel Sizon souhaitait information k'ap sorti nan simasyo rete comme élément fiable et référentiel pour toute entité qui t'a souhaité utiliser données ministère affaires sociales et travail pour venir bailler aide en Haïti. J'espère que tous vont utiliser CIMAST dans leur travail pour soutenir le peuple haïtien. Nous espérons aussi que CIMAST contribuera à réduire ou à éliminer la perte d'informations importantes à la fin de la période d'exécution des projets de développement ou la protection sociale. Et nous espérons que CIMAST se développera dans les années à venir comme plateforme de partage de données et d'adoption de mesures communes pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux objectifs communs. Les résultats de ce nouveau système seront démontrés aujourd'hui. Suite à l'apport de l'USAID, notre assistance bilatérale, cet effort créera une base de référence non seulement au niveau du développement technique d'un système basé sur le web, mais aussi par le biais d'activités de renforcement des compétences des cadres du MAST ainsi qu'avec des enquêtes menées auprès des ménages au niveau des communes. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degère Soubopal, souhaitait outils ça tourner un véritable registre protection sociale dans le niveau national. Une façon
pour permettre aux gens qui ont besoin de venir dans leur tête. Et là, avec cet outil, nous allons franchir un pas. Nous allons non seulement avoir une base de données des plus vulnérables, mais aussi des indications sur quelle est leur situation familiale, quelle est leur situation en termes de malnutrition, et qu'est-ce que l'on peut faire, quels sont les besoins qu'ils ont, et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière plus pertinente. Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, expliquez au ministère qui a enregistré dans la base de données plus de 1 million de personnes qui sont en situation vulnérable dans 6 départements. Sud-Est, Nord-Ouest, Latibonite, l'Ouest, Centre et Grand-Est. Société haïtienne qui a aidé avec yo qui est pour Siga Cha lancé commission communale accessibilité Delma mercredi 23 mai 2018 là dans palais municipal Delma. Docteur Michel Payan qui est coordonnateur national Cha que commission communale Sila c'est un outil pour aider services sociaux fondamentaux yo exister et puis respecter en faveur mon handicapé yo dans commune. La mission est claire. C'est pour assurer que mon handicapé et mon qui en situation de vulnérabilité en général, tant que grand monde, tant que par exemple les femmes enceintes, les femmes en général, pour que les assurer que toute catégorie sao capable de bénéficier de services qui est disponible dans la commune. Pour eux même tout, ils sont capables de bénéficier de services. Parce que les services existent et puis ils ont même leur paraît dans l'hôpital et puis ils n'ont pas sorti pour prendre en considération les besoins. De même qu'au niveau de la justice, nous dit que ça n'est pas possible. Et ça fait partie tout de ça, les cultures de non-respect des lois en Haïti. Mounio Djou, constitution, c'est papier, bayonnette, c'est fait. En nous-mêmes, par rapport à la loi sous cause de mon handicapé, mon cher, nous goûtons pour que la loi ça existe. La loi, ce n'est pas un cadeau de l'État que oui, absolument pas. Donc, c'est goûtons mon handicapé ou goûtons pour que nous arrivions à une loi. Yo. C'est Goumé Association, institution mon handicapé au Goumé, pour nous arriver à une loi, ça. Eh bien, nous-mêmes, nous réalisons tout, il faut que nous Goumé pour application. Nous prenons les cognats dans le Parlement haïtien qui est à Soubissant Port-au-Prince. Il y a une délégation direction centrale de la police judiciaire DCPJ qui doit revenir avant longtemps dans le pays Chili pour aller faire prélèvement empreinte pour plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent au Chili dans le cadre de régularisation dossier par rapport à la loi tout neuf sur l'immigration gouvernement chilien fait adopter. C'est ça, président de la Commission justice, sécurité publique et défense nationale dans le Sénat République, Jean-René, sénateur, fait connaître après une rencontre, il était gagné mercredi 23 mai avec le ministre de justice et sécurité publique et puis ministre intérieur et collectivité territoriale, Jean-Woudi Ali et Jean-Marie Reynaldo Brunet. Bon côté par le sénateur Pierre-François Sildor fait connaître la continuer à encourager le gouvernement dans la démarche la fait pour capable régulariser la situation compatriote nous qui a vivant dans le pays Chili. En nous souvenons extrait dans le micro Fédner Confident avec Moïse Ulbrich. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons la semaine dernière, là, le ministère des Affaires étrangères a pris engagement, il a dit rapidement l'argent que tu as payé, $80 pour avoir une pièce, l'autre bois qui est certificat bonne vie et meurtre, il a été réduit à $25 américains. Nous avons continué à regarder ensemble avec l'autorité comment traitement pour allier. Mais la DCPJ, qui est sous tutelle ministère de la Justice, a pris une mission pour le voyer un groupe de policiers au Chili, qui pral gagner pour traiter sur les lieux mêmes dossiers ressortissant nos cap gagner pour venir demander certificat bonne vie et meurtre ça ou les casiers judiciaires là. Alors que l'ONI lui-même, qui est sous tutelle ministère de l'Intérieur, il pral gagner pour livrer des certificats
puisque tout le monde a gagné dans le déjà. Alors, la majorité a gagné des cartes qui ont identifié, mais qui sont capables d'expirer. Le ministère a pris gagné pour émettre des certificats pour montrer que les gens sont haïtiens natifs natal. C'est pour dire que nous continuons le travail. Je vous dis, nous entendons, nous avons fait synergie pour nous aller au secours. Et nous, là, nous devons saluer. Travail qui est déjà effectué par l'exécutif dans le sens que vous avez déjà penché sous question et des réponses que vous avez, il y a des papiers que vous venez avec nous pour montrer comment il a avancé. Nous avons dit bravo pour ça et nous avons dit haïtien, haïtien qui est au Chili. Nous avons avancé sur vous, nous avons travaillé pour nous garder comment nous sommes capables de porter réponse et même le Sénat, dans le travail de contrôle, nous avons envisagé une tournée de contrôle là-bas pour nous garder est-ce que tout engagement qui prend ici, est-ce qu'il a respecté à la lettre. Nous-mêmes, là pour nous fournir toutes pièces que nous avons besoin pour le travail. C'est en s'ennuyer, c'est une demande que nous faisons. Et nous, là, comme l'État, c'est-à-dire que ce soit la justice qui est là, que ce soit le Parlement, l'exécutif, pour nous répondre à demande. Et ça nous connaît, c'est que c'est une demande qui a jusqu'à juillet 2019, mais nous ne prenons pas le temps. C'est ça qui fait qu'on focus sur lui-même. Et nous avons toujours fait rencontre ça pour nous voir ce que si déclaration au niveau des exécutifs, là, l'IKEMBE, pour permettre maintenant jeunes citoyens, citoyennes, jeunes dossiers à temps. Ministre intérieur à collectivité territoriale, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dit qu'il y a plusieurs ministères qui mettent tête ensemble dans le cadre de dossier ça, d'après lui qui gagne en pile importance pour le gouvernement. Ministre Brunet a garanti avant le mois de juillet, rivé gouvernement a déjà bail toute pièce qui nécessaire à compatriotes nous. Annonce. Gouvernement chilien te mande nous et que y a aidé yo et que y a besoin de certaines pièces et que pour cas peut-être régulariser cas et haïtien par nous qui au Chili. Quantité par rapport à quantité moun qui gen l'autre bois et puis par rapport à quantité prélèvement que y a fait justement empreinte et dans des CPG que y a fait là Kounian qui au nombre de 100 si on prend quantité haïtien ça qui au Chili. Puis il a fait 100 par jour, il a pris au moins 3 ans pour s'attaquer à régulariser. Or, nous avons un délai jusqu'à juillet 2019. C'est là que nous avons une nécessité, après nous avons une nécessité, pour nous faire une synergie ensemble, pour nous voir qui peut-être nous aider à faire une action qui est au Chili. Donc, c'est ça que fait qu'on est prend des dispositions pour envoyer des gens directement au Chili avec de nouveaux matériels, justement pour y aller travailler la journée ou la nuit pour délai à respecter. Pour nous, si au moins dans 6, 7 ou bien dans 8 mois, et que tout est ressorti sans nous gagner au frein d'action qui est au Chilien, pour nous, si vous avez joué un papier ça pour régulariser. Ministre de Justice et Sécurité publique, là, Jean-Oudi Ali, fait connaître ce bon palier. Le gouvernement prend toutes dispositions nécessaires pour capable régulariser la situation compatriotes nous qui vivent dans le pays Chili avant de les mois de juillet, le gouvernement chilien baila. Ministre Ali confirmé DCPJ et Office National Identification après New Chili pour capable aller bay compatriotes nous yo pièces nécessaires à nous suivre. Ensemble de ministères qui concernaient, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, nous avons travaillé ensemble pour adresser ce problème. Comme ça, nous avons désigné des policiers qui pourraient aller au Chili, et les matériels que nous avons besoin, nous avons travaillé sur ce dossier pour permettre que les citoyens qui vivent au Chili soient capables de joindre une réponse à problème qui gagnent, à savoir problème pour gagner un certificat casier judiciaire. Certificat de police, documents d'identité que vous avez besoin, l'ONI qui relève du ministère de la Justice, disponible pour le bail certificat à Mounsao, parce que c'est des gens qui identifient déjà. Si vous voyagez, vous avez un passeport, vous identifiez, il suffit que vous produisez de maintenant, il y a un certificat nécessaire par rapport à cela. Et j'aime te dire déjà, la DCPJ, lui-même, est mobilisé sur question. Hein. Donc, nous travaillons de concert au niveau de l'exécutif, tout ministère qui concerne. Pour ne pas adresser ce problème en temps réel. Voilà.
Nous fermons chapitre local là, nous prêlons à l'étranger, puis près là qu'il y a nos pays États-Unis, puisque le président américain Donald Trump a menacé pour être capable d'augmenter les taxes sur toute machine qui appartient dans le pays États-Unis. Euronews pour plus de détails. Aux États-Unis, c'est désormais aux importations de voitures d'être dans le viseur de l'administration Trump. Les véhicules fabriqués du pays pourraient être davantage taxés. C'est en tout cas ce que laisse entendre la Maison Blanche dans un communiqué. Selon Wilbur Ross, le secrétaire au commerce, ces importations ont érodé l'industrie automobile US durant des décennies. Il s'agit donc pour l'instant d'initier une enquête permettant de déterminer l'impact de ces importations sur le secteur. Une annonce qui survient quelques heures après que sur Twitter, l'ancien mania de l'immobilier a promis de grandes nouvelles pour les travailleurs de l'automobile. Des travailleurs qui, selon le président, ont attendu suffisamment longtemps. Pour l'instant, aucun indicateur n'a été donné par l'administration, mais d'après le Wall Street Journal, ces taxes, si elles étaient imposées, pourraient culminer à 25%. Aussitôt après l'annonce, le cours à la bourse de Tokyo des constructeurs japonais a chuté, Toyota, Nissan et Honda, perdant entre 1,3 et 2,4%. N'a quitté l'Amérique là, non prêt aller en Europe, puisque il y a un président français Emmanuel Macron qui est trouvé là actuellement dans le pays la Russie. C'est le président pays la Russie, Vladimir Poutine, qui recevra lui dans Saint-Pétersbourg. En nous suivre. Leurs retrouvailles ont failli être annulées. Un an après leur première rencontre à Versailles, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se retrouvent à Saint-Pétersbourg. Malgré leurs profondes divergences sur plusieurs dossiers clés, c'est l'accord sur le nucléaire iranien qui pourrait rapprocher Paris et Moscou. Nous avons avec la Russie beaucoup de désaccords. Nous avons un désaccord sur l'Ukraine, sur les procédures d'intimidation, sur les procédures d'ingérence. Nous avons un désaccord sur le chimique. Bref, il faut avoir avec la Russie un dialogue franc, mais un dialogue exigeant. Mais nous avons aussi des intérêts. Après l'annonce de Donald Trump de son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, les Européens misent désormais sur la Russie pour tenter de sauver cet engagement international. Mais pour cette spécialiste des relations franco-russes, Vladimir Poutine ne se fait aucune illusion sur ses partenaires. Je pense que Vladimir Poutine est très conscient de toutes les faiblesses intrinsèques de l'Occident, des solidarités européennes, des solidarités transatlantiques. Et comme l'a dit Emmanuel Macron lui-même, il ne faut pas se montrer faible face au président russe, car il s'engouffre tout de suite dans ses faiblesses pour les exploiter à sa faveur. Au-delà du nucléaire iranien, aucune avancée n'est attendue dans le dossier syrien après le bombardement d'installations chimiques menées par les alliés. Malgré toutes ces crispations, le contact n'est pas rompu. C'est précisément le message que veut faire passer Emmanuel Macron. On a toujours été sur le continent européen, puisque il y a un train qui frappait bap pour baba à un poids lourd qui était trouvé sur rail. Mais ça prend la cause que le train s'est pris le perdu rail. Et bien, dans l'accident, c'est là pour gagner pour pipiti deux mounes qui perdu la vie, plus environ 18 autres qui sont blessés. Annoncé. En Italie, un train a percuté un poids lourd arrêté sur un passage à niveau dans le nord du pays, près de Turin. Deux personnes sont mortes et au moins 18 ont été blessées. Plusieurs wagons ont déraillé. La collision s'est produite vers 23h sur une ligne régionale entre Turin et la ville de banlieue d'Ivry. Les autorités ferroviaires ne savent pas encore pour quelle raison le poids lourd a percuté la barrière du passage à niveau et terminé sur les rails. Le conducteur du train a été tué sous le choc. Deux personnes grièvement blessées ont été évacuées par hélicoptère. L'une d'entre elles est morte plus tard à l'hôpital. Le conducteur du camion, blessé, a survécu à l'accident. Journal là arrive dans Boutli, mais avant nous dire bye bye, permettre que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. Reine en pays Espagne, la Majesté Laetitia Ortiz, mette bouta aïe mercredi en visite deux jours li tap fè dans le pays d'Haïti. Avant ça, Reine est arrivé visiter en compagnie de la première dame République, Martin Moïse, diverses institutions comme Saint-Vincent, Saint-Vincent Polio, qui chita dans la Cité Soleil, et puis mise Panthéon National à Mupana. Président République, Jovenel Moïse, avec première dame République et puis premier ministre, te recevoir Reine dans le Palais National.
Ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, présente système information ministère Affaires sociales et travail, hier mercredi 23 mai 2018. Là. Zouti sa ki pote nou simast pral permette l'état haïtien ensemble ak partenaires li yo genye information sou quantité moun ki a vivant nan situation difficile la pa bo isit. Et puis ministre Kilti ak communication Joseph Aguilar se Delva kodane zak brigandage li di employé factory yo fè mardi 22 mai passé nan kade yon manifestation yo te organisé nan la rue Port-au-Prince. Ministre la rappelé selon dialogue tout dossier a réglé pendant l'annonce yon ensemble mezi accompagnement en faveur employé ki nan factory yo. Et puis à l'étranger pour Pipiti, deux moun mouri ak 18 l'autre sorti blessé dans yon accident yon train nan nord pays Italie qui rivé hier mercredi. Nous vraiment te content ensemble avec vous pour être capable informer vous. Li rete seulement pour nous capable souhaiter vous passer un très beau jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. Rendez-vous avec moi-même pour l'autre édition nouvelle le matin, c'est demain vendredi. Bonne journée tout le monde.